Une A3 en mode ASMR, cochon. Une A3 en mode ASMR. Attends, plus je m'écarte, plus je gagne des FPS. Bah vas-y, on a qu'à, eh ben, on a qu'à faire la vidéo ici. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Voici la map de Arthur. Si vous l'avez apprécié, laissez un petit like. On va pas trop s'approcher. Elle est sympa, ouais. Elle est sympa, hein. Les PC commencent à fumer. T'as gagné 10 FPS, dis-toi, en m'écartant. Ah ouais, t'as gagné 10 FPS, GG. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette map Scrap Mécanique que Arthur nous a faite. Arrête, Arthur. Veux-tu faire une dédicace à Arthur, Sofiane, s'il te plaît? Bien sûr, dédicace à Arthur pour le temps que t'as mis. Dédicace à Arthur pour le temps que t'as mis. Bien sûr, je n'oublie personne pour les maps Scrap Mécanique. Les maps, les véhicules. Je sais que vous êtes nombreux à nous faire des véhicules. Il y a le workshop et tout. Je n'oublie personne. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de voir tout le monde. Et celle-là, elle me titille un petit peu, Sofiane. La map s'appelle Fistyland. Voilà, ah ouais. C'est un parc d'attractions, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est de toute beauté. DJ, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous mettre une ambiance parc d'attractions. Musique. S'il vous plaît. Merci, DJ. T'es prêt, cochon? Waouh. Attention, plus on va s'approcher, plus on va bugger, Sofiane. Est-ce qu'on visiterait pas ce petit parc d'attractions que nous a fait Arthur? Ou plutôt ce grand parc d'attractions. Donc, il y a une flèche qui nous dit d'appuyer sur ce bouton. Ah! Oh putain. 5 FPS. C'est tendu, c'est tendu. Les gens, si vous buguez... Attends, vas-y. Ah, c'est super tendu. Moi, ça... Je t'ai refermé. Ah, bah, t'es dans la réception. Voilà, Sofiane, ça débug une fois que t'as passé le truc. Eh, mettez pas trop le paquet, les gens, quand vous nous faites des maps. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Si on n'a pas des GTX Titan. Hein. Ça bug. Hein. Nvidia. Hein? Nvidia, si vous êtes là, s'il vous plaît. À quelle heure, Nvidia? Vraiment, GG. Eh, franchement, les gens qui nous font des maps comme ça, je sais pas ce que vous avez comme config, mais à mon avis... Même en low, on bug, dit-on. Ça doit pulser, hein, franchement, ça doit pulser. T'es où, Sofiane? Où est-ce que t'es? Sofiane? C'est là, mon petit monsieur, là. Comment t'as fait pour passer là-bas? Ah, ok, passer par la droite. Par la droite. Attends. Attends, putain, merde. Ah, t'es passé par là. Et je crois que c'est un Belge, Arthur. Il y a le petit drapeau de la Belgique là-bas. What? On va pas pouvoir finir la présentation de ta map. Pensez qu'on n'a pas forcément des putains de grosses machines de guerre surpuissantes. Le jeu n'est pas très bien opti. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à quelques constructions qu'on nous a faites dans le workshop, Sofiane. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Bien sûr. Allez, c'est parti. Let's go. Celui-là, on m'en a beaucoup parlé, celui-là. Thibaut, dédicace à toi. C'est Thibaut qui nous l'a fait. J'ai 130 FPS. Ah bah, c'est un truc de fou. Tu revis là. Alors, c'est ça, Scrap Mécanique. Mode Missing. Merde, on téléchargera les mods parce que vraiment il a l'air super bien ton avion Thibaut, mais on peut pas le démarrer parce qu'il nous manque les mods. C'est dommage. En tout cas, pour la prochaine fois, on va prendre les mods pour visiter l'avion à Thibaut. Par contre, regarde, il y a Arcanix qui nous a dit qu'il est de retour avec de nouvelles fonctions. Et la politesse avant tout. Salut Jolot, tu vas chialer. C'est notre enfant, Sofiane. Qu'est-ce que tu fous, mon vieux? Alors là, mon vieux, tu vas tellement chialer. Putain, c'est Goldor avec le truc. Pousse-toi, Sofiane. T'es monté dedans. Non, le gouffre du chétan. Le gouffre du chétan, mon vieux, c'est la première fois que je vois ça. Attends, on va s'engouffrer avec le Krabi, mon vieux. T'es où? Bah, je suis dans le Krabi, mon vieux. Je suis dans le Saint-Dessin. Les pinces, tu les ouvres comment? Viens, Sofiane, viens voir. Il est tellement stylé, sérieux. Putain, par contre, il est chaud à contrôler. Je sors du Krabi, Sofiane. Je suis dans un rond-point. Je suis dans le gouffre du chétan, toi aussi. Ah bah, je suis là. Ah ouais, puis il est long en plus, hein. Après, les gens diront. Oh, ça fait 20 ans qu'on l'a vu. Ouais, bah. La mise à jour est bah, nous, on l'avait jamais vu. On l'a jamais vu, nous, le gouffre du chétan. Putain, faut un mode aussi pour celui-là. Faudra vraiment qu'on télécharge les modes, Sofiane. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et celle-là. Ah, celle-là, y a pas de mode. Créateur de Zouille Gautron. Coucou, Jolotte, je t'ai préparé une Mystery Box. Amuse-toi bien. J'espère que ça se passera dans une de tes vidéos. Désolé pour les fautes, y a pas de soucis. PS, la Mystery Box s'ouvre dès que tu enlèves le lift. Continue comme ça. J'adore tes vidéos. Tu me fais trop marrer. Allez, salut. Merci, Zouzouille. Zouzouille. Merci, Zouzouille. Attention, chétanerie, deuxième Sofiane. Boîte dans une boîte. Ah, on s'est déjà fait troller. Attends. On s'est déjà fait troller. Moi, je mets un siège. Je colle un siège dessus, moi. Pourquoi Donut Hunter? Hein? Je la mets là, Sofiane. J'ouvre le jaune. Attends. Les 5 canaries. D'accord, en fait, c'était une sorte d'unboxing dans un unboxing. D'accord, c'était. Ouais, unboxingception, mon vieux. Zouzouille, elle est très belle, cette box. Une autre mystery box de Kirlox. J'espère la mystery box du Shetan, j'espère. Sûrement. Voilà, je note ma seconde mystery box. Attention au démarrage de la surprise à l'intérieur. J'espère que ça va te plaire. Ça va forcément me plaire. Il va nous pranker, je le sens. Sofiane, oui. Est-ce que t'es? Ah merde. Où là-haut, mon vieux? Elle est vraiment bien faite. On dirait un Mickey Block dans Minecraft. Oh. Ah
Ah ouais, t'as vu, on dirait un Lucky Block dans Minecraft, carrément. C'est un truc de fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez des Lucky Blocks sur Minecraft. On pourrait faire un spécial Lucky Block avec Sofiane. Fait des unboxings sur Minecraft. Qu'est-ce t'en dis, des unboxings sur Minecraft, mon vieux. Tu me donnes ma moto Chetan là. Elle est bien fichue la box à l'intérieur. Tiens, essaye là. Fais voir moi ça me dessine. Oh lolo. Attends, c'est quoi, c'est le klaxon ça? En fait, tu fais des wheeling quoi. Tu fais des wheeling quoi. En fait, tu fais des wheeling, mon vieux. Elle est pas très très contrôlable, mais elle est bien faite. Pour le design, on mettrait combien, Sofiane, pour le design? Pour le design, on mettrait 8 en vrai. 8 pour le design. Et pour la maniabilité, on donnerait 3. Pour la maniabilité, 3. 3 Kirlox. On est désolé pour cette mauvaise note, mais la maniabilité. Ça manque quelque chose, ça manque quelque chose. Les gens, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos spéciales Mystery Box. Dites-nous ça dans les commentaires avec un petit like. Une maison pour Jolotte de Nathan TK273. Tu crois ça, Sofiane? Et tu sais quoi? On dirait presque la même maison volante que j'avais faite. Je te jure, cette maison volante est immense et stable. Elle a un coin jardin, un lit d'amis. Elle a été inspirée et légèrement améliorée par celle de Jolotte, tu vois? Je me disais bien. Si Jolotte voit cette reproduction de sa maison, je lui dis qu'il fait d'excellentes vidéos. Et aussi, j'aimerais savoir s'il la trouve bien. On va voir Nathan TK. On va noter comme Valérie Damedo. Mais je ne pense pas qu'il la verra. Mauvaise langue, Nathan. Mauvaise langue. Sortons de cette sainte chétanerie. Allez, bye bye, Sofiane. Attention. Merde. Bye bye, les michetos, allez. Allez, bisous, les michetos. T'es où? J'arrive. Ah oui, je te vois, j'arrive. Je viens te rejoindre, Sofiane. Le saint des saints arrive. Nous, on est des pros de maison volante. Personnellement. On va te la noter. Ah, voilà. C'est vrai qu'elle est très inspirée de celle que j'avais faite, hein. C'est cosy, c'est. Oh. Ah, je dis oui. Attends, Sofiane, attends, décolle pas, hein, cochon. Hein. Décolle pas, je ferme la porte déjà. Merde, c'est moi qui a fait ça. Vas-y, décolle, Sofiane, décolle. Ça manque d'aménagement. Hein. Il est pas rassuré, mon bonhomme, mec. Commande. Quoi? Oh, je suis en haut. Je suis arrivé en haut, Sofiane. Oh, quand t'as cogné le sol, voilà. J'ai perdu. Ouais, yes. Ah, c'est joli, tu vois. Il y a une petite chambre d'amis, il y a une couchette, il y a une petite toilette juste ici. Vraiment, Nathan, elle est super stylée. T'es prêt, Sofiane? Putain, je descends. 40 FPS dans ce coup. What? Attends. Je suis en train de descendre, Sofiane. Oh putain. Ah bah, oh putain, attends. Je suis en train de rebondir sur la maison volante, mon vieux. C'est un truc de ouf. Nous, on est des pros de maison volante. Vous voulez qu'on vous fasse une maison volante 2.0? Y'a pas de souci, vous laissez un petit like, un petit commentaire. Personnellement, Nathan, ça mérite un 6 ou un 7, hein, parce que un ça 7, manque un 7, un 7, pas un 6. Soyons pas trop durs. Un 7. Un bon 7. Ça manquait d'aménagement. Il y avait un peu d'amour. C'était pas trop printanier. C'était pas très pimpant. Il y avait pas assez d'amour. Il y a pas assez d'amour, tu vois. Ça manquait une pincée d'amour. On va passer une prochaine construction. Regardez, si vous voulez exemple, bien, monsieur Bouyakam. Regardez par exemple notre Bob l'éponge. Il y a de l'amour. Il y a tout ce qu'on aime. On est d'accord. Par exemple, Sofiane. Et ça, je peux te dire qu'on y a mis de l'amour pour le construire celui-là. Voilà. Celui-là, on a mis de l'amour. Hein, voilà. La construction dont on est le plus fier ici, tu vois. On est le plus fier. N'hésitez pas à la noter. N'hésitez pas. Vous pouvez mettre des 10 si vous voulez. Même des 11. Hein. 11 sur 10, on prend. Personnellement, je donne 10. 10? Moi, je donne 11. 11 sur 10, monsieur. Ouais, j'ai pas honte de le dire, Oui, monsieur, elle est mieux que la vraie. Prochaine Mystery Box, Sofiane, si vous voulez bien. Monsieur Bouyakam. Prochaine, c'est une Mystery Box, Sofiane. Le créateur Pulsar Carpe. Y'a pas de souci. On l'avait pas déjà fait. Alors, PK. Non, je crois pas, je sais pas. What? Comment que ça t'a fait reculer, mon vieux? Chétanerie! Pulsar Carpe, on te met quand même pour les canaries. Combien qu'on peut lui mettre pour les canaries, Sofiane? Pour les canaries rouges, parce que j'aime beaucoup le rouge, on te met 2. On a. Oh non, il est dur. Il est très dur. Moi, je te mettrai un bon 6. Entre 5 et 6 quand même. Peut-être 6,5 pour l'originalité quand même. Avec les canaries et tout. Moi, voilà. Ça, c'est vendeur, ça fait rêver. Il y a de l'amour, c'est pimpant, c'est printanier. C'est tout ce qu'on aime. Hein. Sofiane, pour le prochain, il y a de la chétanerie, je te le dis direct. Hein. Créateur Pikachu 05. Il y a pas de description. Pikachu 05 qui nous a fait un truc, mon vieux. Je te jure. Oh, quoi ça? Je sais pas. Attends, je suis pas prêt, j'arrive. Vas-y, c'est quoi? Oh les copains, je vous oublierai jamais. Bélélo, bélo, bélé, bélé, bélélo. Ok, c'est de la chétanerie. C'est très original, c'est très abstrait, c'est moderne. Hein. Faut juste rester comme ça, Ouais, franchement, ouais. En fait, c'est. Ok, j'ai compris. C'est un breakdancer. Ouais, voilà, ça fait du breakdance. Un peu. Non, franchement. C'est original, c'est la première fois que je vois ça. Sofiane. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Combien tu mettrais pour cette pièce artistique, s'il vous plaît, monsieur Bouyaka? Combien vous mettrez? Parce qu'il y avait de l'amour, il y avait du breakdance. Il y a de l'amour, il y a du breakdance. C'est pimpant, c'est printanier. Ça sent l'été, c'est chaleureux, c'est tout ce qu'on aime, c'est beau. Non, franchement, je dis oui. Bon, les gens, on va s'arrêter ici pour cette petite vidéo sur Scrap Mécanique. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez voir d'autres constructions,
que vous nous avez fait, on ira voir dans le workshop. Pour la prochaine, on ira télécharger les mods avec Sofiane. Hein? Bien sûr. Voilà, bien pour sûr. Aller voir notamment l'avion de Thibaut qui a passé beaucoup de temps dessus. Parce que Thibaut, il m'a envoyé des tweets, il m'a envoyé des snaps, mon vieux. Il m'a envoyé plein de messages pour l'avion et je sais qu'il a passé du temps dessus. Donc, faut absolument qu'on le visite. On n'a pas le choix. Voilà, si vous pouvez arrêter de bouger la tête dans tous les sens, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde, bye bye! Voilà les effets de la drogue.